Charles savait que sur l'une de ses rives s'érigeait le somptueux manoir de William Hamilton. Le détective pouvait espérer y trouver un moyen de quitter la région. Un téléphone, un camion, et qui sait? Sous le lambris luxueux et les moquettes damasquinées, il pourrait trouver des réponses à ses questions. Carl saw a boat in the distance, clearly piloted by one of his own. Had he finally made it to civilization? His hopes were immediately drowned out by the sounds of gunshots. Time to flee again, and fast. Chaque brasse était toutefois faite de désespoir. L'eau glacée et ses blessures atténuaient ses forces. Il devait rejoindre la berge. L'hémorragie et l'hypothermie se partageaient le pauvre corps de Carl. Quand il aperçut une lumière au loin, il se sentit gonflé d'un dernier espoir. Peut-être était-ce un refuge. Le rougeoiement des flammes permit à Carl de constater la profondeur de ses blessures. Le réveil était difficile. Ses bandages de fortune lui assuraient peu de temps. Carl, s'il voulait trouver la vérité, devait gagner le manoir d'Hamilton sans tarder. Carl quitta son refuge de fortune. Il connaissait sa destination, un lieu plus confortable, mais autrement inquiétant, le manoir d'Hamilton. Carl tenta de relativiser l'horreur. Un accident, ça arrive. Et dans le lointain nord inhospitalier, cela arrive plus souvent qu'autrement.
N'empêche, un sentiment de déjà-vu le troubla, comme si le carnage se poursuivait. Quels étaient ces mystérieux fragments? Et pourquoi mettait-on en garde contre la brume? Cette lettre soulevait chez le détective plus de questions qu'elle n'offrait de réponses. C'était le manoir de William Hamilton. Pas de doute là-dessus. Il n'y avait pas d'autres riches industriels dans le coin pour se faire construire une fastueuse demeure au milieu de nulle part. Carl peinait à avancer. Ses pieds trouvaient difficilement le chemin devant eux. Il ignorait de quelle direction il venait, ni vers laquelle il marchait. Tout lui semblait sphérique. Une spirale le portait, il ne savait où, ni comment.